Et même la petite balle et le petit brosse pour le petit chat. C'est entendu et c'est OK pour nous. Donc on commence à, au sol, à allonger ici comme ça. Et on va travailler tout de suite notre ceinture abdominale et puis notre ventre en restant vraiment dans notre souffle, dans notre respiration. Donc je soulève mes orteils ici, je serre dans mon ventre, je contracte le périnée. Je repousse bien le nombril ici vers la colonne. Vous placez vos deux mains sur les tibias ici, et en inspirant, on va essayer de d'ouvrir cette poitrine, d'ouvrir ici. Et en expirant, on va arrondir notre dos sans rouler vraiment sur l'arrière. On arrondit en soufflant le plus longuement possible. Je souffle longtemps, longtemps, longtemps. Et en inspirant, je redresse. J'inspire et je redresse. Tu t'attrapes avec les tibias pour remonter. En expirant, à nouveau, tu as arrondi bas du dos, le milieu du dos. Tu contractes bien dans le périnée, tu repousses bien le nombril vers la colonne. Et encore, on inspire, tu redresses. Et en expirant, tu souffles longtemps, 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 et tu rentres le ventre, tu pousses le nombril vers la colonne, et tu contractes bien dans le périnée. On va faire ça encore deux fois et vous essayez d'allonger bien le temps d'inspire et le temps d'expire. J'inspire, je redresse. En expirant, je contracte dans le périnée, je repousse le nombril vers la colonne, je laisse le bas de mon dos s'arrondir et je souffle longtemps, 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 longtemps. Inspire, remonte. Redresse bien ton dos, la poitrine. Et dernière fois, on va rester ici en arrondissant sur le sacrum. Tu arrondis bien le bas de ton dos, souffle bien. Donc pendant ces exercices, vous essayez de maintenir le sourire sur votre visage. Voilà, en étant bien consciente de ce que vous faites. Inspirez et remontez tranquillement. Là, vous allez allonger vos jambes devant vous, pousser dans les talons, étirer les orteils vers vous, je vais enlever mes chaussures. On serre bien dans le ventre et on essaie ici de redresser notre dos. En inspirant, vous allez monter vos bras au-dessus de la tête et vous étirez. Vous allez tourner doucement vers votre droite. Inspirez. Expirez, revenez de face. Inspirez, tournez vers votre gauche. Inspirez, revenez de face. Et expirez, descendez vos deux bras. J'enlève mes chaussures. Et d'une. Et de deux. Donc doucement, j'inspire, je remonte, je grandis et j'étire. Poussez bien ici dans vos talons et vraiment essayez de contracter dans le ventre. Dans le périnée. Expirez, descendez vos bras par les côtés, puis doucement, en inspirant, tournez à nouveau sur la droite. Donc là, vous gardez vos deux mains dans le sol. Je suis sur la pointe des doigts. Je pousse dans mes deux talons, je tire les orteils vers moi et je tourne le bout du nez vers l'arrière. Inspirez, donc serrez dans le ventre ici et expirez longtemps, 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 longtemps. Maintenez votre dos droit. Inspirez et expirez, revenez tranquillement de face. Soufflez, arrondissez votre dos. Relâchez vos pieds, la tête. Inspirez, poussez dans les talons. Tirez à nouveau les orteils vers vous. Montez vos bras, grande inspiration. Expirez, descendez vos bras par les côtés. Et là, vous tournez sur la gauche. Placez vos deux mains au sol, comme on a fait tout à l'heure. Poussez bien dans les deux talons. Gardez bien les deux pieds ensemble, les deux genoux ensemble, le bassin bien collé au sol. Inspirez, regardez sur l'arrière. Et expirez, relâchez légèrement. Poussez dans le ventre. Nouvel inspire, regardez vers l'arrière. Puis doucement, vous expirez et vous revenez doucement sur l'avant.
Inspirez, montez vos bras. Et expirez, redescendez ici sur l'avant vos mains, sur le devant des orteils ou sur les tibias ou sur les genoux. Ça dépend de la longueur de nos jambes. Et ici, on essaye de redresser notre dos. Inspirez. Serrez dans le ventre, contractez dans le périnée. Expirez, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos. Laissez les mains glisser sur vos jambes. Puis inspirez, redressez votre dos. Expirez, posez vos pieds à plat et roulez doucement, 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 doucement sur votre tapis. Posez votre tête au sol et ici, inspirez, emmenez vos bras en arrière. Posez ici vos deux mains sous le bombé du crâne. Ici, sous le bombé du crâne. Rapprochez légèrement vos deux pieds de votre bassin. Serrez dans le ventre, contractez dans le périnée. Et doucement, vous allez ici laisser aller vos deux genoux vers la droite et vers la gauche. En gardant vos épaules dans le sol. Doucement. Les deux genoux ici vers la droite et vers la gauche. Vous étirez dans le ventre, mais aussi dans le bas de votre dos. Ne bougez pas la tête, gardez bien vos deux épaules au sol. Le haut du dos ne bouge pas, les omoplates ne bougent pas. Gardez en vous le sourire et ressentez ici votre corps vibre. Votre corps qui vibre. Voilà, vous allez revenir au centre ici. Et en expirant, on va venir croiser le coude gauche avec le genou droit. Inspire, pose. Expire, croise de l'autre côté. Souffle bien. Inspire. Expire, croise. Inspire, pose. Expire, croise. Inspire, pose. Et ainsi de suite. Je croise. Je souffle. J'inspire. Je pose. Je croise, je souffle, j'inspire, je pose. Et on continue. Soufflez bien. Inspirez. Soufflez bien. Inspirez. Continuez tranquillement. Je vais compter. Et on va travailler ensemble, ici, cette petite pratique tranquille, douce pour le corps, joyeuse pour l'esprit. Tranquille pour le système digestif et puis magnifique pour tonifier notre ceinture abdominale. Respirez tranquillement, souffle en montant, inspire, pose, souffle en montant, inspire, pose et on continue. C'est bien sympathique ce petit travail ici. Continue. Tu sens que tu as le dos dans le sol? Tu sens que tu as le ventre qui se serre. Tu sens que ça commence à chauffer au niveau de ton nombril. On continue. Avec le sourire. On en fait encore 10. Encore 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, et le dernier, pose. Posez ici votre tête au sol. Relâchez vos bras et allongez vos deux jambes. Ressentez ici dans votre ventre comment ça s'est passé, comment c'est pour vous. Relâchez vos deux épaules. Décollez les omoplates et reposez les omoplates dans le sol. Redécollez vos jambes et reposez les jambes dans le sol. Essayez de sentir tout votre corps. Normalement, ici, naturellement, le dos ne touche, le bas du dos ne touche pas le sol. Hein, c'est normal. Relâchez bien les épaules et les omoplates. En inspirant, ici, vous allez ramener vos deux jambes, vos deux bras, et ici. Doucement, même jambe et même bras. En soufflant, même jambe et même bras. Donc, on emmène la jambe un petit peu sur l'avant. Le bras un petit peu sur l'arrière, ou un petit peu beaucoup. C'est vous qui voyez. Et en inspirant, je ramène. La même chose de l'autre côté. Je souffle, je pointe le pied,
J'emmène la jambe un peu sur l'avant et le bras un peu sur l'arrière. Tout le temps de l'expiration. Et en inspirant, je repose. Je repose. Je reviens au centre, je me comprends. Donc, même bras, même jambe, c'est parti. Je souffle très, très, très longtemps. On y va, souffle. Même bras, même jambe. Inspire, reviens. Change de côté, souffle. Inspire, reviens. Change de côté, souffle. Inspire, reviens. Change de côté. Inspire, reviens. Encore une fois de chaque côté. Souffle. Inspire, reviens. Souffle, dernière. Et inspire, reviens. Expire, fléchis tes jambes, repose tes pieds au sol. On prend juste un instant ici pour ressentir ce qui s'est passé. Vous avez pu constater que le fait d'allonger l'expiration nous permet de rester plus longtemps dans le mouvement et donc de contracter en gainage nos muscles qui ne demandent qu'à se réveiller. On va recommencer ici, mais on va intervertir. Bras et jambes opposés. Je remonte donc mes deux jambes vers le ciel. Pousse dans les talons, tire les orteils vers toi. Les deux bras parallèles aux jambes pour le moment. Bras droit, jambe gauche. Je vous montre, puis jambe droite, bras gauche. Et je reviendrai quand j'ai besoin d'inspirer. Pareil, on va faire 6 fois en tout. Prenez le temps, serrez bien dans le ventre, contractez juste dans le périnée. Et ressentez ce qui se passe en allongeant bien le temps de votre expiration. C'est parti, bras droit, jambe gauche. Inspire. Et expire. Inspire, reviens. Change de côté. Inspire, reviens. On change de côté, bras droit, jambe gauche, souffle longtemps, 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 hein, le plus longtemps possible. Inspire, reviens. De l'autre côté. Inspire, reviens. Les deux dernières fois, inspire bien au centre, expire, allonge. Reviens tranquillement. Et de l'autre côté, dernière, souffle longtemps, longtemps, longtemps. Inspire, reviens. Expirez, fléchissez vos jambes, allongez vos jambes, relâchez bien dans vos jambes, relâchez ici dans votre dos et dans votre ventre. Vous sentez ce qui s'est passé ici dans le ventre. Si vous voulez, vous étirez vos bras, vous pouvez vous bailler si vous le désirez, vous étirez, bien bailler et en expirant, on va ramener tranquillement nos bras et à nouveau, on va fléchir nos jambes. Ici, je vais prendre bien appui sur mes talons. Les deux genoux, les deux pieds sont de la largeur du bassin et je descends bien mes épaules, mes bras qui glissent vers mes pieds tranquillement. En appuyant ici sur les talons, je vais rétroverser mon bassin et je vais monter le bassin vers le plafond. Et en expirant, recoller tranquillement la colonne vertébrale dans le sol.
Alors ça, c'est vraiment pour mobiliser le dos, la colonne vertébrale. On laisse faire et on ressent, on observe. Respiration normale. Inspire au sol. Expire, monte. Inspire en haut. Expire, descend. Inspire au sol. Expire, monte en rétroversant ton bassin. Inspire en haut. Expire, repose la colonne dans le sol, vertèbre après vertèbre, en rétroversant le bassin. Inspire au sol. Expire, monte, pousse dans les talons, rétroverse le bassin. Inspire en haut. Et expire, repose le dos dans le sol. Relâchez. Placez bien votre pied gauche maintenant au centre, juste devant le centre de votre bassin. Puis venez poser le pied droit sur le genou gauche. Vos mains ici sont tournées vers le sol de manière à ce que vous puissiez peut-être vous en servir comme appui. Vous allez pousser dans le talon de votre pied gauche, vraiment. En serrant dans le ventre, vous rétroversez votre bassin et vous soufflez en montant. Et en inspirant, vous reposez au sol. Respiration Pilates, on essaye d'allonger l'expiration. 6 fois, c'est parti, inspirez largement. Expire, pousse dans le talon, rétroverse ton bassin. Tout le temps de l'expiration. Inspire, pose. Déroule le dos dans le sol. 2 fois. Expire, monte. Inspire, pose. Toujours avec le sourire, même si tu bâilles. 3 fois. Expire, monte. Inspire, pose. Quatrième. Expire, presse dans le talon, rétroverse le bassin. Inspire, pose. Cinquième. Expire. Inspire. Et la dernière, pousse dans le talon, rétroverse. Monte, souffle. Pousse bien dans le talon. Et inspire, pose. On va reposer ici le pied droit. Vous ramenez vos 2 genoux sur la poitrine, bas du dos dans le sol, bas du dos dans le sol, puis vous revenez. Reposez vos 2 pieds au sol, allongez les 2 jambes, emmenez les bras en arrière, étirez dans les bras, bâillez et ressentez votre corps. Expirez, vous reposez vos bras, vous ramenez vos bras, on ramène les 2 talons près du bassin. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je pose ici le talon gauche sur le genou droit. Je tourne la paume de mes mains contre le sol. Rétroverse ton bassin. Inspire au sol. 6 fois. Expire, monte. Tu pousses dans le talon. Contrôle dans le périnée. Puis inspire, pose. 2 fois. Inspire, pose. 3 fois. Garde le sourire. Inspire, pose.
Quatre fois. Inspire, pause. Cinq fois. Longtemps sur l'expiration, pousse bien dans le talon. Inspire, pause. Et dernière fois, pousse bien dans le talon. Expire, monte. Inspire, reviens et pose. Tu ramènes tes deux genoux sur la poitrine. Tu cales bien les fessiers dans le sol, bas du dos dans le sol. On repousse les genoux vers les épaules et en même temps, on pousse le sacrum dans le sol. Voilà, relâchez. Venez poser vos pieds au sol. Allongez vos deux jambes et emmenez vos bras en arrière pour vous étirer. Laissez votre dos se creuser, inspirez, étirez, bâillez. Bâillez cinq pas importants, puis expirez, relâchez. Ramenez vos deux bras. Ramenez vos deux jambes. Ici, vous placez vos mains sous les fessiers, juste là, sous les fessiers. Serrez dans le ventre. Ici, vos deux jambes sont sur l'avant, plutôt perpendiculaires au sol. Si elles ne veulent pas se tendre, les jambes arrivent. Gardez les jambes fléchies, mais au moins gardez les cuisses perpendiculaires au sol. Ça, c'est important. Gardez le sourire aussi, c'est très important. Donc, on essaye de tendre les jambes et on essaye en plus de tourner les jambes en rotation externe. Tout petit battement ici sur l'avant. Je serre dans le ventre. Respiration normale. Ressentez ce qui se passe tout de suite. Dans les jambes, pointez vos pieds. Essayez de tendre les jambes. Sinon, hein, je vous ai dit, jambes fléchies, les cuisses ici sont perpendiculaires au buste. Je souffle normalement, j'inspire normalement et j'essaie de ressentir ce qui se passe dans les jambes et dans le ventre. Ressentez et commencez à souffler longuement. Soufflez longuement. Le petit battement ici va s'amplifier. Il va devenir un peu plus grand. Donc, je serre dans le ventre, je contracte dans le périnée. Maintenant, bien plus que tout à l'heure. Continue. Respiration normale. Et maintenant, des plus grands mouvements. Serre dans le ventre, contracte dans le périnée. Plus grand mouvement. Serre dans le ventre. Périnée serré. Observez si le bas de votre dos est bien collé au sol. Vous pouvez, si vous le désirez, mettre un tout petit coussin sous les fesses pour que ce soit plus facile pour vous. Un petit coussin sous les fesses. Ou une brique. Voilà. On va accentuer le battement, faire un battement un peu plus grand, un peu plus lent, un peu plus grand. Je souffle et j'inspire normalement. Ici, on essaie de dissocier. Le haut du corps et le bas du corps. Le dos, par exemple, ne bouge pas du tout. Les épaules restent bien au sol, ainsi que les bras, plutôt détendus. Tout le dos est collé au sol, ainsi que la tête. Vous ressentez simplement dans votre ventre, dans vos jambes, l'opération de ce battement ici. Que se passe-t-il? Que ressentez-vous? Prenez-en conscience. Respirez tranquillement et profondément si vous avez la possibilité de le faire. Sinon, adaptez votre respiration à votre niveau. Ici, maintenant, on va pédaler. Donc, on va fléchir les jambes doucement. Et en même temps, on va déverrouiller nos pieds. Vous voyagez un pied qui se pointe et l'autre qui se fléchit. Un pied qui pointe, l'autre qui est en extension, pardon. Donc, regardez. C'est quand je croise mes deux genoux que les deux pieds se mobilisent. Ici. Laissez faire et ressentez ce qui se passe. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sous les fessiers si jamais c'est souvent plus facile. Petit coussin ou brique sous les fessiers ici. On essaye de maintenir bien sûr le bas du dos dans le sol. Et là, vous allez sentir tout de suite ce qui se passe dans le bas de votre ventre. Donc, respirez tranquillement.
Expirez tranquillement. Adaptez votre respiration. Gardez sur vous votre sourire si vous le pouvez. Alors, ce n'est pas évident dans cette pratique. Mais on essaye, en fait, de rester dans la joie, car ce que vous êtes en train de faire vous fait du bien. Enfin, pas sur le coup, mais après, ça fait du bien. Donc, soyez-en certaine et ressentez ici tout ce qui se passe. Tu serres dans le ventre, tu contractes dans le périnée, tu observes tes ressentis. Et puis ici, maintenant, on va pédaler en arrière. En arrière, dans le sens opposé. Ici, serre dans le ventre. Observez jusqu'où vous pouvez aller. Est-ce que vous pouvez longer le sol ou bien est-ce que vous pouvez préférer rester dans le haut? On longe le sol ou on reste dans le haut? C'est comme vous voulez et surtout, c'est comme c'est bien pour vous. Encore quelques instants ici, en pédalage arrière. Voilà, serrez dans le ventre. Ressentez que le bas du dos est dans le sol. Encore un tout petit peu. Un, deux, huit, 9 et 10. On pose. Relâchez. Posez vos pieds au sol. Reposez vos jambes. Allongez vos jambes. Relâchez vos jambes ici. Là, relâchez les jambes. Inspirez. Emmenez vos bras en arrière et étirez. Et en expirant, on va ramener nos bras tranquillement. Dernier mouvement pour nos petits abdominaux. Tranquillement. Le bas du dos dans le sol, on va monter un peu nos jambes. Comme ça, je m'autorise ici à croiser les chevilles. Donc, les deux genoux sont dans l'alignement des épaules. Je m'autorise à croiser mes chevilles. Je vais emmener mes deux mains ici comme ça. Ou bien, si c'est mieux pour vous, placez les mains sous le bombé du crâne. Ici, je vais soulever ma tête. Attendez, j'enlève mon sweat. Wow, ici. Je vais soulever ma tête en plaçant les mains sous le bombé du crâne pour me permettre en fait, de ne pas tirer sur les muscles de mon cou. Sinon, je mets une sangle sous le bombé du crâne et je viens comme ça. On va travailler ce qu'on appelle le droit, le grand droit. Donc, serrez dans le ventre et contractez bien dans le périnée. Ici, la tête ou bien sur l'avant, comme c'est le mieux pour vous. Je soulève ma tête, je porte ma tête, d'accord? Et j'y vais. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. On essaie de faire souffle, 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 le plus longtemps possible. Et entre chaque souffle, en fait, tu mets une inspiration, d'accord? Ça fait... Et vous allez rester ici en haut, bloqué en haut, décroisez vos chevilles, croisez de l'autre côté. Regardez comment c'est. Les cuisses restent bien perpendiculaires au sol. Tu serres ici dans le ventre, tu contractes dans le périnée. Ressens ce qui se passe ici dans ton corps. Tu sens que c'est vivant. On va poser la tête au sol. Inspire, pose tes pieds au sol, emmène tes bras en arrière, grandis et étire. Emmène tes deux genoux sur un côté. Inspire, reviens, emmène tes genoux de l'autre côté, inspire, reviens au centre et on va refaire encore quatre séries de 30 petits mouvements sur le haut. On y va pour la deuxième, soit les deux mains sous la tête, soit les deux mains sur l'avant, je ramène mes genoux. Les chevilles sont croisées. Je place les mains sous ma tête. Inspire au sol. Allez, c'est parti. Un. N'oublie pas de sourire.
dis 30, c'est 50, excusez-moi. Encore, tout petit. Et on va rester ici en haut, tu bloques en haut. 5, 4, 3, 2, 1, et tu poses. Serre bien dans le ventre hein, quand tu es dans le mouvement. Quand tu poses, tu relâches. Pose tes pieds au sol, emmène tes bras en arrière, inspire, étire. Et là, tu emmènes tes deux genoux sur un côté. Inspire. Reviens tranquillement au centre, expire. De l'autre côté, inspire, laisse faire tes genoux. Et tu reviens tranquillement au centre. Ici, ramène tes bras, ramène à nouveau les deux genoux sur la poitrine. Voilà, c'est reparti pour une petite série de 50. On en est à la troisième. Main sous le bombé du crâne. On y va, allez, ensemble, en cœur. Encore. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. Tu bloques en haut, tu restes en haut. N'hésitez pas à décroiser, croiser les chevilles. Hein. Serre bien dans le ventre. Vous sentez ce qui se passe ici, hein? Et vous relâchez. Inspirez, emmenez vos jambes ici sur les côtés, de l'autre côté. Reviens au centre, ramène tes bras. Vous allez voir, ça va être de plus en plus facile. Encore deux séries. Main derrière la tête, je monte mes jambes, croise tes chevilles. C'est parti, 50. Regarde bien devant toi. Souris, ne mets pas le menton dans la gorge, hein, tu regardes devant toi. Et tu poses, relâche. Ramène tes genoux, emmène tes bras en arrière, viens poser tes pieds au sol, emmène tes genoux sur un côté, étire sur l'autre côté, étire. Reviens au centre, on ramène. J'en étais à combien déjà? Ah, la quatrième. C'est ça? Oui, la quatrième. Ici, je croise mes chevilles. On serre bien dans le ventre, on contracte bien dans le périnée. Je place mes deux mains sous le bombé du crâne et c'est parti. 7. Et 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et tu restes. 5, 4, 3, 2, 1, et tu poses. Emmène tes bras en arrière. Vous avez vu que c'était de plus en plus facile. Serre dans le ventre, contracte dans le périnée. Allez, il nous reste encore une série à faire. Pose pied, emmène sur un côté, laisse ici s'étirer tout ça là. Reviens, pareil de l'autre côté, on laisse tout ça s'étirer. Voilà, et on va ramener ici au centre. Pose bien le bas du dos dans le sol, rétroverse ton bassin, on emmène les genoux sous la poitrine, on croise nos pieds. C'est la dernière. Je place mes deux mains sous le bombé du crâne. Inspire. C'est parti. Arrondis le bas du dos. Hein. T'as bien le bas du dos dans le sol. N'oublie pas de sourire. C'est pour toi le sourire.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on bloque. 5, 4, 3, 2, 1, et tu poses. Youpi! On pose le pied au sol. On allonge nos jambes. On allonge nos bras. On grandit et on s'étire. Allongez, allongez, allongez. Creusez ici le dos. Et étirez-vous. Expirez, relâchez tranquillement. Ramenez vos bras, ramenez vos pieds. Réajustez vos pantalons. On va venir se tourner sur le côté pour venir s'asseoir. Donc ressentez ici comment vous êtes, comment ça vibre dans votre corps, dans votre ventre. On va travailler les jambes et puis les fessiers et puis bien sûr le dos avec un exercice que vous connaissez toutes déjà. Donc je vais juste vérifier un tout petit truc. Voilà. On ne bougeait pas. On est bien ici. Alors, on va se mettre ici en quadrupédie. N'hésitez pas à prendre un petit coussin pour protéger vos coudes si c'est nécessaire. Ici, j'ai mis un petit coussin. Quadrupédie, ici. Voilà. Je viens placer mes deux mains ici de chaque côté de mon petit coussin. Pourquoi ce petit coussin? Bah, peut-être pour venir me mettre sur un avant-bras, puis sur l'autre avant-bras. D'accord? Tout à l'heure. Donc là, je vais souffler, étendre ma jambe. Je souffle, j'étends, j'inspire, je pose. On va faire 15 fois assez rapidement sur la même jambe. Vous êtes prêts? C'est parti. Inspire. Donc là, tu poses bien sur tes mains pour éloigner les épaules du cou. Et on y va. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Repose. Inspire, change de jambe. Quand vous faites ce mouvement-là, vous serrez dans le ventre, vous contractez dans le périnée. Vous ressentez hein, votre tenue dans vos bras, dans vos épaules. Si vous avez mal au poignet, n'hésitez pas à vous placer sur les coudes. Donc, la même, l'autre jambe, 15 fois également. C'est parti. Inspirez, respiration normale. Expirez dans votre mouvement. Souffle. 2, 4. Et tu souris. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Souriez. Change de jambe. La même chose. Inspirez fort, profondément. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Change de jambe tout de suite. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pause. Donc là, ressentez, respirez tranquillement. Et une dernière série, 15 de chaque côté. C'est parti, inspirez. Allez, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Change de jambe tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le dos ne bouge pas. 13, 14, 15. Posez. Posez les avant-bras au sol. Ouvrez vos genoux de la largeur de votre tapis
et laissez glisser vos avant-bras sur l'avant. Inspirez ici et sentez que ça s'étire dans le ventre. Soufflez bien dans le dos. On ramène le poids du corps sur les coudes et en avant. Ici, on rétroverse le bassin. On va venir poser le bassin dans le sol. Vous avez les coudes sur votre petit support ici. Et là, en fait, vous vous propulsez sur les coudes pour éloigner les épaules du cou et vous regardez devant vous. Inspirez, serrez les fessiers ici. Et expirez, on monte les fessiers. Donc, serrez dans le ventre, contractez dans le périnée, monte les fesses et reviens sur l'arrière. Ici, tu étires, tu ramènes les mains sur ton support, ici. Et là, on va placer l'avant-bras gauche dans le sol. Ramenez le genou gauche dans l'alignement de l'avant-bras gauche, ici. Et là, on va tendre la jambe droite. Poussez dans le talon du pied droit en retournant les orteils du pied droit dans le tapis. Ici, on va monter la jambe droite et on va fléchir la jambe. D'accord? Ici, je souffle et je monte. Comme ça. Je souffle, je monte. Allez. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dernière, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et tu restes en haut, tu bloques en haut, souffle bien, respire et souffle. On va ici essayer de dégager la main droite du sol et d'attraper, si on peut, la cheville droite et de monter, 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 monter le genou droit. J'inspire et j'étire. Je souris. Monte ton genou. Voilà. Et tranquillement, tu ramènes ton genou. Pose. Ramène ici. Alors, retournez vos orteils dans le tapis. Ici, essayez de placer vos mains dans le sol. Et on va monter. Pousse dans le talon. Dans les deux talons. Tu. Essaye de monter ici les fesses, les petits fessiers, les ischions vers le haut et tu relâches ta tête en pressant sur tes mains et tu places le menton dans la gorge. Expire. Puis doucement, tu reviens ici sur l'avant, tu vas poser tes genoux dans le sol. Et bien évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais me tourner ici. Je vais mettre donc l'avant-bras droit cette fois-ci sur le support. Voilà, et je vais retourner les orteils du pied gauche, là, dans le tapis. Je serre bien dans le ventre, je contracte bien dans le périnée, et je vais respirer profondément. C'est parti, je monte la jambe, je fléchis ici, au niveau du genou, et périnée serré, hein. Vous soufflez 30 répétitions. Inspire, allez. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essayez de maintenir la hanche gauche légèrement de face. Hein. Vous n'ouvrez pas la hanche. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, on reste en haut, on bloque en haut. Là, on prend appui sur le genou droit, sur le coude droit, et on va essayer d'attraper la cheville gauche avec la main gauche, et on monte le genou. Donc, on essaye d'éloigner le mollet de la cuisse, hein, c'est le but. Donc, souvent, on se tombe, on tombe, respire tranquillement. Là, on a ouvert la hanche légèrement. Et on va relâcher. On repose, on relâche. On prend bien appui sur nos deux mains. Tu retournes les orteils ici dans le tapis. Serre dans le ventre. Contracte bien dans le périnée.
Propulse-toi sur tes mains pour éloigner les épaules du cou. Absorbe bien le périnée. Tu vas monter. Ici, tu vas relâcher la tête. Tu montes bien les ischions vers le haut. Relâche ta tête. Menton dans la gorge. Voilà. Et on va revenir tranquillement les deux genoux dans le sol. Alors, maintenant, on va faire un tout petit exercice. Ça va là, jusqu'à maintenant, c'est bon? Yes, ok. Donc là, on va faire un cumul de jambes et de bras. Donc toujours dans cette même position quadrupédie, n'hésitez pas, hein, si vous avez mal au genou, à mettre un petit support sous vos genoux. Donc là, on va mélanger jambe droite et bras gauche et jambe gauche et bras droit. Donc en opposition, d'accord? Sans arrêter, mais on échange à chaque fois. J'inspire ou je vous montre et je souffle dans mon mouvement. Souffle. Inspire, pause. Souffle. Inspire, pause. Donc, essayez de bien sentir votre mouvement, de le décomposer de manière à vraiment rester dans votre alignement. Les hanches ne s'ouvrent pas. De rester dans l'alignement du corps, de ne pas monter trop haut, ni les jambes, ni les bras. De souffler dans votre mouvement et d'inspirer lorsque vous revenez. On va faire ça ensemble, évidemment. Je ne vous quitte pas. Ici, c'est parti. Donc, bras et jambes opposés, on est d'accord. Souffle. Donc, observez votre souffle. Tu souffles dans ton mouvement, hein? Donc, chacun son rythme, évidemment. Respirez tranquillement, soufflez dans votre mouvement. Observez si vous serrez dans votre ventre. Observez si votre dos reste bien droit, s'il ne se creuse pas. Regardez si vous ne montez pas trop haut la jambe, si vous ne tirez pas trop sur vos épaules. Regardez comme c'est bien pour vous. Alors n'oublie pas, si jamais tu as mal aux épaules, tu peux très bien mettre ton bras sur le côté, comme ça, par exemple. Tu vois, si t'as mal, pourquoi pas? Et on continue. Soufflez. On continue. Soufflez. Encore. Toujours avec le sourire, évidemment, c'est plus compliqué en fait. Encore un tout petit peu. Alors, pour cette dernière, on va rester dans le mouvement, on va rester en haut comme ça. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Tu poses et pareil de l'autre côté, change jambes, bras. 5, 4, 3. 2, 1, et tu poses et tu relâches. Donc, juste pour terminer notre séance improvisée, tu places bien ton dos dans le sol, tu poses bien tes deux pieds dans le sol, inspire, tu emmènes tes bras en arrière, tu grandis, tu étires. Alors, tu étires, tu étires, tu étires, les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Tu vas exprès pousser sur tes talons, monter le bassin, inspire. Expire, tu poses la colonne vertébrale dans le sol, vertèbre après vertèbre, arrondis le bas du dos. Voilà. Ici, tu vas ramener le genou droit, comme ça, au-dessus de ton genou gauche, et tu vas tourner. Tu laisses tourner, et là, tu as les deux genoux ensemble, et tu vois le pied droit, il est un petit peu en haut là. Tu lâches ton pied droit sur le pied gauche. Inspire, grandis, étire. Donc là, ça va étirer de partout. Serre dans ton ventre, contracte dans le périnée. Allez, reste. Grande respiration profonde. T'as tes deux bras qui sont en arrière ou bien sur les côtés, hein, selon si t'as mal aux épaules ou pas. Tu protèges tout ça. Respire, souris, merci. Tu te dis merci, c'est trop bien.
Voilà, puis tu vas ramener le genou droit. Donc regarde, je ramène le genou droit, le genou gauche, et là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je me tourne, je fais la même chose de l'autre côté, je ramène le genou gauche vers moi, je descends le genou droit, et je relâche, tu vois, le pied gauche, le genou gauche au-dessus. Et là, je tourne mon bout du nez vers le plafond. Je serre dans le ventre, je contracte dans le périnée et je me dis, oh là là, mais ça fait super du bien tout ça. Voilà, respirez tranquillement ici. Tu ramènes ton genou, tu ramènes l'autre genou. On va monter nos jambes. Tu vas lever la tête. Tu vas rouler sur le dos. Et puis, on va se retrouver ici. Et je vais venir vous rejoindre à l'écran. Notre séance prend fin. Maintenant, je vais prendre une petite pub. Et puis, je viens vous parler.